Salut à tous, c'est Mélina de l'équipe Whisper. On se retrouve aujourd'hui pour le récap des actus de la semaine. Après la comédie et la danse, Ryan Bensetti se lance dans la musique. Son tout premier album intitulé Histoire de Mif devrait sortir en fin d'année. Besoin d'un nouveau décor, donc je viens creuser l'écart, poser sur mon météore. Tout est sans dessus dessous, tu veux faire Dubaï avec ta... Fier de ses origines berbères, Kenza a créé une collection de bijoux à son image en association avec une boutique en ligne qui met en avant des créateurs du Moyen-Orient et du Maghreb. Le rappeur a plus d'un tour dans son sac. Après la sortie de son dernier album en mai dernier, Fianso a annoncé qu'il interpréterait le célèbre millionnaire Gatsby au théâtre à Paris. Zod, alias Maxime, c'est le nouveau streamer à suivre. Celui que Squeezie et Loclear ont décidé d'aider en lui offrant la panoplie complète du bon streamer. C'est un moment qu'on veut venir en aide à un streamer qui est le nous de il y a 8 ans. On s'est donc dit, on en trouve un et on lui fait la surprise. Le record de likes sur Instagram a été battu par Lionel Messi et sa photo avec la Copa América qui a atteint les 21 millions de likes, contre seulement 19 millions sur une des photos de Ronaldo. Emmanuel Macron a encore lancé un défi et cette fois-ci à un streamer. Grâce à la réponse du président, Arcunir s'est engagé à réaliser le tour du monde sur Google Street View lors d'un live caritatif. Le second volet de Baby Boss sortira au cinéma le 18 août prochain. Dans ce nouvel opus, on fera la connaissance de Baby Tina, une agent infiltrée de la Baby Corp. Et voilà, c'est déjà la fin, n'hésitez pas à liker et à nous suivre.